Nous avons vu dans la vidéo précédente la définition de l'énergie et nous nous souvenons que l'énergie caractérise un changement d'état, une transformation et qu'il n'y a rien qui change, qui évolue dans l'univers sans consommation, sans utilisation d'énergie et surtout sans dégradation de l'énergie. À chaque fois que de l'énergie est utilisée, celle-ci peut de moins en moins générer de transformation. Il existe des changements d'état, des transformations d'un type un peu particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, lorsqu'un flux d'énergie est suffisamment stable, par exemple un rayon lumineux provenant du soleil, l'énergie solaire, ou l'énergie d'un feu, mettons l'énergie nucléaire, toute source d'énergie, lorsqu'elle est suffisamment stable et qu'elle rencontre certains éléments, ceux-ci s'organisent parfois. Certaines rencontres entre un flux d'énergie et certains éléments, certains ensembles d'éléments, peuvent générer de l'organisation, nous allons préciser cela. Si par exemple nous allumons un feu et que nous plaçons une pierre dessus, un gros caillou, sur le feu, il ne va rien se passer de particulier. Le caillou, la pierre va chauffer, tout en dégradant évidemment l'énergie qui traversera ses atomes et ses molécules. Elle va simplement chauffer, évidemment, et éventuellement si la pierre chauffe trop, elle risque de casser, de se rompre, d'éclater. Mais la pierre conservera les caractéristiques de pierre. Elle ne va pas changer parce qu'elle est traversée par un flux d'énergie. En revanche, si on place un flux d'énergie, mettons toujours un feu, sous par exemple de l'eau en une casserole d'eau, eh bien, on va pouvoir observer des petits tourbillons qui vont se former. Je vous laisse regarder cette image. Des tourbillons qui vont se former dans l'eau et de façon assez organisé, même très organisé, c'est-à-dire que l'eau va chauffer par en dessous, et puis au fur et à mesure qu'elle monte, elle va se refroidir en étant en contact avec une eau plus froide, et ce différentiel de température à l'intérieur du liquide va générer des flux, des tourbillons, organiser une forme de structure. Ces tourbillons dans l'eau s'appellent des cellules de Bénard. Je vous renvoie vers le lien dans la description pour en savoir plus. C'est le physicien Ilya Prigogine qui a donné un nom à ces organisations lorsque certains systèmes sont traversés par un flux d'énergie suffisamment stable. Ilya Prigogine appelle ces systèmes-là des structures dissipatives. Ce qu'Ilya Prigogine nomme des structures dissipatives, c'est pour un système la capacité ou le fait qu'elle acquiert une organisation, qu'elle se structure, qu'elle acquiert éventuellement des propriétés particulières, en étant traversé par un flux suffisamment stable et constant. Bien sûr, il y a dégagement de chaleur, il y a rayonnement. Dans tous les cas, il y a dégradation perpétuelle, éventuellement on pourrait le dire comme ça, dégradation perpétuelle de l'énergie, compensée en permanence par la stabilité du flux qui traverse le système. Alors, je vais donner quelques exemples. Une galaxie, est une métastructure, une mégastructure, pardon, qui convertit une forme d'énergie potentielle gravitationnelle qui est contenue dans l'ensemble des astres qui composent cette galaxie. Et cette énergie gravitationnelle, cette énergie potentielle gravitationnelle, est convertie en énergie cinétique, tout en étant bien sûr dégradée, mais le résultat de cette dégradation d'énergie, de cette consommation, on va dire, de l'énergie potentielle gravitationnelle, fait que la galaxie adopte une forme, une structure. Ça n'est plus un ensemble aléatoire d'astres, d'étoiles dispersées dans le cosmos. Cet ensemble-là prend forme. Et prend forme et mouvement même. Un autre exemple, plus proche de nous, les cyclones convertissent de l'énergie thermique, en particulier provenant des océans, de l'énergie thermique en énergie cinétique. Là encore, il y a conversion d'une forme d'énergie en une autre, et dégradation bien sûr. Et les cyclones prennent une forme, adoptent une forme, une structure en mouvement. Et cela aussi, ça caractérise le fait qu'ils sont des structures dissipatives. Alors, une structure dissipative, c'est un flux constant, c'est un ensemble d'éléments, des astres, des molécules d'eau dans l'atmosphère, et des conditions favorables. Donc, forme, structure complexe et dynamique sont le résultat d'un flux d'un ensemble d'éléments et de conditions favorables. Il existe des structures dissipatives particulières qui acquièrent des propriétés très spécifiques en étant traversées par des flux énergétiques. Ce sont bien sûr les êtres vivants.
Alors, il paraît hasardeux ou en tout cas très osé de comparer un cyclone ou une galaxie à des êtres vivants. Pourtant, ils subissent le même processus, ils suivent le même processus et l'acquisition de leurs propriétés sont exclusivement le résultat de la dissipation d'une énergie. Alors, même si les processus d'organisation ne sont pas bien connus dans le vivant, il y a quand même, grâce au flux d'énergie, passage d'un ensemble de molécules amorphes, on dirait, non organisées, sans propriétés particulières, à un ensemble ayant des propriétés inédites, suivant une dynamique complexe, de la même façon qu'un ouragan, un cyclone ou une galaxie s'organisent. Le champignon que vous voyez ici ne peut adopter ses propriétés, qui sont celles par exemple de décomposer le bois sur lequel il pousse, ne peuvent adopter ces propriétés-là que grâce à l'énergie qui circule à travers eux via les sucres qu'ils consomment, par l'énergie qu'ils extraient de leur alimentation, du bois par exemple, dont ils participent à la putréfaction. Les têtards que vous voyez ici, sur cette image, ne peuvent se développer que grâce à l'apport d'énergie, à un apport d'énergie suffisamment stable provenant de leur stock cellulaire. Et donc les propriétés qu'ils sont en train de mettre en place, leur capacité à voir par exemple, à se mouvoir, à digérer ou à animer leurs membres grâce à leur système nerveux, toutes ces propriétés-là sont en cours de formation grâce au flux d'énergie qui traverse leurs cellules et qui provient de leur stock énergétique, leur stock cellulaire. Ils sont eux aussi des structures dissipatives. Cet amphibien, lui aussi, ne peut respirer, ne peut bouger, ne peut même continuer à se nourrir en vivant que par le fait qu'il a initialement été traversé et qu'il continue à être traversé par un flux énergétique. Cette orchidée et ces fourmis travaillent ensemble, coopèrent dans l'échange de substances nutritives qui permettent le maintien de leurs fonctions respectives. Et là encore, nous observons des structures dissipatives. Alors voilà, je le disais tout à l'heure, il n'est pas forcément évident de comparer un cyclone et des êtres vivants comme des fourmis. Pourtant, leurs propriétés dépendent toutes, voilà, du fait qu'elles soient traversées par un flux énergétique. Et nous aussi, les êtres humains, nous sommes des structures dissipatives, nous avons un cerveau, un corps, qui ne peuvent exister que grâce à cette capacité que nous avons de dissiper de l'énergie. Les systèmes complexes que nous créons aussi autour de nous dépendent d'un apport énergétique et de la rencontre avec de la matière qui va s'organiser grâce à ce flux. Nos sociétés très complexes, mais aussi leur administration, l'industrie, la médecine et même nos arts les plus raffinés, finalement, ne pourraient pas exister sans la rencontre entre de l'énergie et des éléments matériels. Pour aller encore plus loin, puisque ce sont les résultats de notre évolution, et bien que ces entités-là, que ces domaines-là soient les plus raffinés, les plus élaborés que nous puissions concevoir, comme par exemple la poésie, le roman, la philosophie, tout ce que nous avons créé et développé de plus éloigné, oserais-je dire, du vivant élémentaire, même si là ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, tout ce que nous avons développé de plus élevé, eh bien, ne peut provenir de toute façon que d'un processus initialement dissipatif, de la rencontre entre de l'énergie et de la matière. L'énergie, bien sûr, et le fait qu'elle rencontre de la matière ne sont pas les seules conditions strictes à la dissipation. Il faut bien sûr un approvisionnement en ressources permanent si les matières premières du système dissipatif a tendance à se dégrader. L'exemple très simple est de dire que lorsque nous faisons bouillir de l'eau, elle finit par s'évaporer et que quand il n'y a plus d'eau, il n'y a pas évidemment d'organisation non plus. Il n'y a plus d'organisation, plus de cellules de Bénard comme nous avons vu tout à l'heure. Un végétal ne fait plus de photosynthèse dès lors qu'il n'a plus assez de phosphore ou d'azote, qui sont d'ailleurs nos engrais pour l'agriculture. Sans ces éléments fondamentaux, sans l'approvisionnement régulier en phosphore et en azote, les végétaux ne peuvent plus faire de photosynthèse, c'est-à-dire utiliser le flux énergétique pour créer de l'organisation, des structures, des formes cellulaires et le végétal dans son ensemble. Notre corps, lui aussi, a besoin de vitamines, d'iode et de fer, par exemple, parmi tant d'autres éléments, pour parfaitement fonctionner. Sans ces éléments-là, il ne suffira pas à notre corps de bénéficier d'un apport énergétique pour fonctionner. Il faut aussi un apport en éléments très concrets, très physiques, qui nous sont extérieurs. Les conditions environnementales aussi sont très importantes.
un même ensemble d'éléments, un même ensemble parfait, dirons-nous, de molécules et d'atomes capables parfaitement de générer la vie, s'il n'est pas dans de bonnes conditions, eh bien, même s'il est traversé par un flux énergétique tout à fait adapté, il ne va pas forcément générer de la complexité et de l'organisation. Par exemple, s'il fait trop chaud ou trop froid, même si tous les éléments sont présents et que l'énergie est présente, il n'y aura pas forcément apparition de la vie. Un autre exemple, l'acidité du milieu, en particulier dans l'eau, peut empêcher des organismes de créer de la complexité, alors même que l'énergie est disponible et que d'autres éléments nécessaires à la vie sont parfaitement présents. Donc en résumé, et nous l'avons déjà dit, il faut de l'énergie, de la matière et des conditions environnementales adaptées, suffisamment bonnes, pour que de la complexité de l'organisation apparaisse. Si une seule vient à défaillir, si une seule condition n'est plus présente, eh bien l'organisation s'écroule, la complexité disparaît. Pour parler des organismes vivants, les êtres vivants meurent. Pour nos sociétés, en particulier thermo-industrielles que nous évoquions précédemment, eh bien, il nous faut un flux énergétique suffisamment stable, de la matière première, et pour parler de ce qui nous concerne très directement dès aujourd'hui et dans les décennies à venir, il faut que le climat soit suffisamment propice au développement de nos sociétés, en particulier de ce dont elles dépendent fondamentalement, qui est l'agriculture. Un autre niveau de complexité également indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés, qu'elles restent capables de profiter du flux énergétique pour s'organiser et maintenir les échanges possibles, le commerce, l'alimentation des personnes, la redistribution des biens, ce sont les capacités politiques et administratives. Alors, nous avons vu tout à l'heure que les romans, la poésie et la philosophie sont des extensions de notre esprit très raffiné, très élaboré, qui dépendent de nos capacités dissipatives, évidemment, mais c'est le cas aussi pour le politique et nos techniques administratives. Et celles-ci, dans nos sociétés, ont une fonction très particulière et très précise, indispensable, qui est la gouvernance générale, mais aussi la gestion des ressources, de l'approvisionnement des ressources, ou de l'appropriation des ressources, on pourrait dire aussi, mais aussi également de leur redistribution, de leur partage dans la communauté. Eh bien, nos sociétés thermo-industrielles, pour maintenir leur organisation, leur capacité dissipative, il faut qu'elles bénéficient de capacités politiques et administratives suffisamment bonnes. Je vous renvoie vers le livre de Joseph Tainter, « L'effondrement des sociétés complexes ». Il caractérise les capacités administratives et politiques comme une capacité à résoudre des problèmes, et c'est bien ce qui peut éventuellement participer à la déstructuration d'une société comme la nôtre. Par le passé, des sociétés se sont effondrées, ont subi des accros adaptatifs et ont perdu de leur complexité. Les causes sont toujours difficiles à déterminer a posteriori, et même dans l'instant, on ne peut pas bien comprendre quelle est la cause qui vient déclencher un phénomène de déconstruction sociétale ou d'effondrement. Mais tout ont eu le même effet, c'était de réduire la capacité dissipative, je le redis, qui est la capacité à s'organiser. Donc quelle que soit la cause de cet accroc, l'effet est le même, la capacité à mettre en forme de l'énergie à travers les ressources et les matières premières est perturbée, voire remise en cause. Donc, une civilisation, une société, comme cela a pu se produire par le passé, ça peut s'effondrer pour des raisons diverses, comme une famine, une épidémie, un changement climatique, un manque de ressources stratégiques ou vitales. Mais une société peut aussi s'effondrer pour des raisons de mauvaise répartition des richesses. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans l'étude de référence sur le sujet qui s'appelle Handy, dont je vous donnerai la référence dans la description. Cette étude montre bien qu'une mauvaise capacité à partager les richesses, à partager le fruit de la dissipation énergétique, est en soi un facteur de déstabilisation et de manque de capacité à maintenir l'organisation des sociétés. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la capacité à mettre en forme, à structurer, finalement, à exister, qui peut être remise en question si une des conditions précitées vient être remise en cause. C'est notre existence même qui dépend de notre capacité à dissiper de l'énergie, à mettre en forme des éléments pour générer de la complexité. C'est notre existence en tant qu'humain qui dépend de ces conditions, qui sont vraiment des conditions sine qua non. Je parlais du climat tout à l'heure, une dégradation climatique trop importante, même si idéalement nos sociétés pouvaient surmonter les problèmes énergétiques auxquels elles se confrontent,
Même si nos sociétés pouvaient s'approvisionner en matières premières, en ressources, en métaux par exemple, à l'infini, bon, on sait que ce n'est pas le cas, mais même si c'était possible en termes d'approvisionnement en ressources, s'il n'y avait pas de limite à ce niveau-là, un réchauffement climatique trop important pourrait à lui seul empêcher le fonctionnement de nos sociétés. Il est attendu, selon les rapports, pas nécessairement les plus alarmants, les plus alarmistes, il est attendu par exemple en France, au cours de ce siècle, des températures extrêmes de 50 degrés qui mettront à mal, qui mettront en très très grande difficulté notre alimentation parce que l'agriculture en souffrira considérablement. Alors nous essaierons d'estimer dans les prochaines vidéos dans quelle mesure nous avons une capacité d'emprise sur les processus physiques en cours dont nous dépendons strictement. Alors, je résume brièvement, il y a un point commun entre des structures très complexes et très différentes de nous, que sont les galaxies, les cyclones, les êtres vivants les plus frustes et nous, c'est cette capacité à profiter d'un flux énergétique pour créer de l'organisation et des structures, des propriétés. Et nous verrons dans quelle mesure une de nos capacités, qui est celle de l'emprise, nous permet d'influer ou non sur le maintien de notre existence même. Quoi qu'il en soit, et au-delà de notre réflexion sur la capacité de l'humain à maintenir l'emprise sur son environnement dans de bonnes conditions, des conditions qui ne soient pas destructrices, nous pouvons trouver assez poétique que l'ensemble de l'organisation de l'univers, en particulier, comme je le disais, ses structures dissipatives, les galaxies, les cyclones, l'ensemble des êtres vivants, nous pouvons trouver ça assez poétique que tout cela provienne de quelque chose, de l'énergie en l'occurrence, dont personne ne connaît la nature.